Jésus, la miséricorde du Père. Je voudrais poursuivre avec vous la méditation sur l'incarnation, sur la fête de Noël. C'est une fête très étonnante, Noël. Le Dieu Tout-Puissant, qui demeure Tout-Puissant, décide de naître pauvre. Jésus naît sur la route, il naît dans une mangeoire, dans une crèche, il n'est pas accueilli. Notre Dieu décide de se faire pauvre. Il naît pauvre pour que nous n'ayons pas peur de lui apporter nos pauvretés. Il naît pauvre parce que lui-même est mystère de pauvreté. La Trinité, quand on y réfléchit bien, dans cette circulation de l'amour qui est faite de dons et d'accueil, est un mystère d'éternelle dépossession. On pourrait dire d'éternelle pauvreté. Dieu, par nature et en Jésus, ne cesse de se dépouiller de lui-même. Dieu n'est pauvre pour que nous nous offrions à lui avec nos pauvretés. Nous pensons souvent que nous ne pouvons offrir à Dieu que ce qu'il y a de beau en nous, et offrons-le. Mais il attend tout, il veut tout prendre dans sa miséricorde. Alors il se fait pauvre pour qu'offrant nos pauvretés, nous les laissions être transformés par sa miséricorde. C'est l'inouï de la fête de Noël, un Dieu pauvre dont l'amour transformant accueille nos pauvretés pour plus de vie, de joie et d'espérance.